29 décembre 2014, pratiquement fin d'année. Nous sommes au centre de côte Peniel de Dijon. Donc une action de délivrance ce matin. On va commencer par des aveux, parce qu'il faut libérer un peu des personnes pour qu'ils vont fêter en famille. On va commencer par les aveux. Tu as froid? Ton nom et ton prénom? Je m'appelle Abdou Akwati Mariam. Je suis sorcier. Tu es quoi? Je suis sorcier. Sier, des femmes. Je vais attendre qu'on m'a donné. On m'a donné de la nourriture. À tété. Elle a donné à tété. Et puis elle a dit d'aller voir qui m'a dit. Je suis partie de qui m'a dit. Maintenant, elle a mis ça dans le tété. Maintenant, après, elle a mangé. Quand on a mangé, le poisson est devenu vient de l'homme dans la bouche. Et ça, quand elle a mangé la nuit, là, elle est venue me prendre. On est parti. Dans le monde. Dans le monde. Arrivé là-bas, là, elle m'a donné du sang. Elle m'a donné du sang. On a donné du sang à lui. Et débarrasser, pour ouvrir le poulet là. Quand on a mis de l'eau. Ça a tué qui? Ça a tué ma camarade. Tu peux expliquer comment ça a tué? Et quel camarade était où tu l'as tué? Je vais aller à l'école et elle. Le bâtard de quoi elle. Je me suis transformée à Sylvie. Je vais aussi rentrer dans le sang. Pas bien. Je me suis transformée en Sylvie. Je vais aussi rentrer dans la chambre. Dans la chambre de qui? De ma camarade. Dis qu'est-ce que tu as fait? J'ai appris son âme. Je vais envoyer ça dans mon monde. Arrivé là-bas, on a transformé. Un mouton. C'est ma tante qui a dosé. J'ai mangé la tête. C'est tout? Non. C'est qui a tué un mouton? Toi, tu as fait l'Europe, non? Tu ne connais pas l'hiver? Non, tu n'as pas. Tu n'as jamais fait l'hiver là-bas. Hein? Non, petit en matin, là, ça fait quoi? Allons-y. Il a tué mon tonton. Il était venu à la maison. Il dormait. C'est ça, monsieur transformé. Il n'a pas de nom, ton tonton. Il s'appelle Issou. Je me suis transformé en tonton. Comment ça y est? Ça va, hein? Qui boue. J'étais sur le ventre parce que j'étais parti au champ. Quand il est venu là, j'ai parti chez le réfugié. Je suis transformé en lui. Et puis je suis parti au chevet du lit. C'est ça, il a posé ma main, il a dit son nom trois fois. C'est ça, son nom est sorti. C'est ça, il a pris. Je suis parti dans notre monde. Il a transformé ça en cabri. Tu as mangé? Il a mangé la tête avec eux. Tu fais comment pour te transformer? Tu fais comment pour te transformer? Tu fais comment? Je dis maman. Hein? Je dis maman. Hé, hey, faut parler. J'ai dit maman. J'ai dit maman trois fois. Il me transforme. Monsieur, heure de prière, là, c'est fini. Hein, okay. Qu'est-ce que tu as fait à tes parents? Il a gâté son bonheur. Faut dire tout ce que tu as fait. Tu as fait quoi? Il a gâté son bonheur. Elle a gâté son bonheur. Bonheur de qui? De ma maman. Comment tu as gâté ça? Elle dormait.
transformée. Ta maman s'appelle comment? Elle s'appelle Salim. Je sais, je suis transformée. Je suis partie dans la chambre. Je sais, elle est plus en moi. Elle va là. Arrivé là-bas là. C'est ça le gâteau. Tu n'expliques pas? Tu dis t'as pris son bonheur, t'as pris son âme. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux expliquer? T'as fait quoi exactement? C'est mon petit fils. Ta maman, tu as fait quoi sur ta maman? Le gâteau sans vie. En quoi, par exemple, tu as fait quoi? Comme ça. Quand elle prend le truc là, ça marche pas. Donc, qu'est-ce que tu as gâté? Qu'est-ce que tu as gâté? Le gâté, ça chine. Ça chine. Comment? Un sorcier. Ça veut dire quoi? J'en profite en même temps. Hier, j'ai eu beaucoup de coups de fil des personnes de l'Europe qui voulaient nous rencontrer au niveau de Casa. Pour dire, il n'y a pas de souci. Voilà, nous serons à Casablanca. C'est au Maroc à partir du 16, c'est-à-dire de la nuit du 16 au 17, nous serons à Casa. Pour ceux qui veulent nous rencontrer, il n'y a pas de problème. Vous pouvez déjà appeler maintenant sur le 06 03 31 11. Vous appelez le 06 03 31 11 pour un rendez-vous au niveau de Casa ou de Rabat. Parce que nous serons en séjour à Rabat et plutôt à Casa. Et comme Casa, Rabat, c'est pas loin. C'est en pratiquement 45 minutes en train. Donc on aura des séances de délivrance même à Rabat. Mais nous serons, le séjour, c'est à partir de Casa. Casa, donc vous pouvez déjà rentrer en contact avec nous. J'en profite en même temps pour saluer ceux de Marrakech, voilà, ceux de Rabat, pour dire qu'effectivement, ils seront là. Déjà, les billets sont déjà réservés. Le vol, c'est à partir du 16 janvier. Et en même temps, nous voulons créer une cellule là-bas, une cellule de prière, une cellule pour que chaque mois, par la grâce de Dieu, chaque mois, ou chaque début du mois, arriver au Maroc, pour permettre à ceux qui ne peuvent pas venir dans leur pays, parce que l'Europe et le Maroc, je crois que c'est à 1h30 de vol, c'est 1h30 pratiquement de vol, pour que des personnes puissent nous retrouver au Maroc, pour qu'on puisse vraiment faire un grand travail. Donc vraiment, c'est une opportunité, il n'y a pas de problème, vous pouvez déjà entrer en contact avec nous, le 06, le 03, 31, 11. Ok, donc qu'est-ce que tu as gâté dans la vie de ta maman? Gâté. Très bon là, ça marche pas. Et puis, il a pris son âme pour aller dans notre monde. Tu as pris son âme pour aller dans le monde, ça veut dire quoi? La nuit qui a donné là, c'était qu'il est rentré. Il a dit son nom trois fois. Ouais. Il a dit son nom trois fois. C'est ça, il a pris son âme. Oui, c'était pour quoi? En prenant son âme pour envoyer là, c'était pour faire quoi? Attends quoi? C'était pour tuer mon âme. C'était pour la tuer. Donc vous l'avez attaché. Vous ne l'avez pas encore tué. Vous allez la tuer quand? Dans le fait. Hein? Fait. Le fait. Vous allez la manger. Et tu as gâté quoi dans la vie de ton père? Ton père est où? Tu as gâté quoi? Son travail. Son travail. Comment? J'étais en Italie, c'est ça? Oui. Ça fait combien d'années en Italie? 3 ans. 3 ans. Comment tu es revenu en Côte d'Ivoire? Tu es en Côte d'Ivoire, ça fait combien de mois? 3 mois. En septembre? Septembre. Comment tu es arrivé en Côte d'Ivoire? Tu es revenu? C'est une voix qui a appelé mon fils. Il est venu. Pourquoi? Là-bas, là, elle dit qu'elle est venue. Ils disent. Ça veut dire que non, tu disais pas ça.
Hein? Oui. Hey, tu faisais pas, tu te promenais pas. Je ne promenais pas. Ah, mais tu dis, ils disent. Pourquoi Didi, ils disent? Ça veut dire que tu les accuses. Quand ils disent, en français, quand tu dis, ils disent, ça veut dire que moi, je n'ai rien fait. Mais voyez ce qu'ils ont dit sur moi. Et tu faisais quoi en promenade là? Tu ne faisais pas sorcellerie là-bas? Oui. Là-bas, tu ne faisais pas sorcellerie. Oui. Tu fais quoi, mon français? En Italie, là, tu ne faisais pas sorcellerie? Non. Aïe. Tu es sorcier depuis quand? Depuis au village. Oui, donc quand tu arrives en Italie, ça s'est arrêté. Hein? Non. Alors, donc tu continues de faire sorcellerie? Oui. C'est ce que j'ai envie de comprendre. T'as fait quoi? En Italie. La nuit, il y a plein de gens. Depuis l'Italie. Tu es là-bas, puis tu fais de sorcellerie. Oui. Tu as gâté la vie de beaucoup de gens là-bas. Parce que toi, tu séduis des gens. Hein, quand ils te draguent, tu gâtes leur chance, c'est pas ça? Oui. Tu as fait ça beaucoup en Italie là-bas. Il y a beaucoup de personnes. Il faut bien expliquer. C'était un jeune. Tous les jours, il m'appelle. Beaucoup d'hommes sont derrière moi. Je dis, je ne veux pas. Toi, tu veux quoi? Il reste séduit. Non, et puis tu ne veux pas. Quand tu séduis là, pourquoi tu ne veux pas? La séduction, j'ai dit, tu crées l'envie. Maintenant, ils sont prêts, t'as dit non. Tu vois, tu es poursuivi, toi aussi. Tu es malade ou bien. Séduction, ça veut dire, tu crées l'envie. Maintenant, il vient, tu dis, je ne veux pas. Tu pousses. Comment tu fais pour les séduire? En regardant la personne. Tu fais quoi? Je le tue envers moi. Tu la tues envers toi. Quoi? Tu fais quelque chose de pratique? Moi, j'aime bien les détails. Ouais. Vous voyez les petites filles, vos yeux brillent, les chouchous. Tu fais comment? En regardant la personne, je me suis. En regardant la personne, je me suis là au fond que tu es. Oui, mais qu'est-ce que sort dans tes yeux, justement? Il y a quoi? Ben, chaque fille a des yeux. Ou toi, il y a quoi qui attire les gens? C'est comme genre courant. Du courant, non? Ça fait quoi? Courant, là, quoi? Ça veut dire. Oui, quoi? Faut bien expliquer. On ne parle pas bien le français. Tu parles italien? Bonjour en italien, ça veut dire quoi? Bonjour. Hein? Bonjour. Je suis sorcier en italien, c'est quoi? Tu ne connais pas? Ça n'existe pas dans l'italien. Venant à prier en italien, c'est quoi? Le français ou bien? Il y a trop de mots français dedans. Donc quand tu attires les gens, tu fais quoi après? Tu couches avec toi. Pourquoi tu dis non? Tu dis pas non? Non. Comme ils sont beaucoup là, c'est deux qui assez. Ça te crie. Et quand ils couchent avec toi, tu fais quoi? Je prends leur bonheur. Leur bonheur. Tu envoies ça où? Dans mon monde. Et tu fais quoi ça? Dans le péril. Et comment tu fais pour sortir de ton corps? Sorcellerie là, tu calmes, puis tu sors pour faire sorcellerie. Tu n'es pas là à l'école? C'est là où ici. Et ici? T'as fait CM1. Ici, en CM1, on peut parler français. Moi, c'est CM1 du village. C'est ça? Comment tu fais? Et tu ne veux plus reprendre la sorcellerie? Hein? Non. Donc tu avais programmé ta maman pour les fêtes. Oui. Qui va t'assurer revenir sur toi tout à l'heure. Venez. On m'a dit qu'elle n'était pas sorcière. Non, mais là-bas, là, tu es venu au centre, tu devrais être nié devant tout le monde, tu dis que tu n'es pas sorcière. Il y a foyer, mais.
Il est là, il est là. Hein? Elle dit, c'est vrai. Non, donc, connaît. Mais tu fais quoi ici maintenant là? Elle est en arrivée. Tu dis que tu n'es pas sorcier? Elle est en arrivée. Elle est la fatigue, donc il faudrait qu'elle se dépasse. Ah, non, mais il faut rester ça. Ça te fatigue là, tu restes avec ça. Alors, comme c'est bon. Quoi, hein? Mais c'est là quoi? Elle dit, que ça gâte. Hein? Il faut rester ça. Nous, on a voulu enlever ça à Zaroko. Tu dis non, que tu n'es pas sorcier. Maintenant, tu cours, tu viens ici. Tu as vu quoi? Elle est venue, elle est là. Oui, ma femme, elle est venue. Elle dit, elle est venue, puis que vous la délivrez, pour ne pas qu'elle continue. Non, il faut continuer. Comme vous avez que Zaroko, on a fermé les cuisines, vous ne mangez plus. Là. Vous voyez déjà, c'est terminé. Vos cuisines, alors, vos marmites, tout ça, c'est cassé. On a levé, on a pas vu. C'est là, c'est ça. Comme ils ne mangent plus, ouais. Chacun vient comme quand il est. Ils sont carrément forcés. Oui, non, quand un point, mais après, je lui dis. Il faut demander est-ce que Kazaroko n'a pas. Les cousines n'ont pas cassé. Alors, Zaroko, ça n'a pas cousu. On est où, boulot? Elle dit, c'est gâté. Oui, vous comprenez, toi, il a raison. Comme elle ne mange plus. Elle dit, c'est gâté. Si tu mangeais là, elle t'allait venir. Tu manges plus, non? Elle a dit. Tu as tué combien? Trois gendarmes. Elle a tué 50 personnes. Tu as tué 50? Quand tu tues là, tu manges où? On encadre, il y a un gilet. Il y en a un côté en gagnant là. On encadre, on encadre, on encadre. On encadre, on était en gagnant dans le nouveau. Elle dit qu'elle tue pas au moins. Quand elle a tué son père, par exemple, elle a mis la tête plus le cœur. Tu as tué combien de personnes à Zaroko? Quoi, Zerondra à Zaroko? Elle a tué 20 personnes à Zaroko. Allons-y, donne le nom des gens. Hein? Qui t'a envoyé ici? Alors, Lopé. C'est elle-même qui est arrivée. Donc, tu vas parler. Hein? Tu as tué combien de personnes à Zaroko? Quoi, Zerondra à Zaroko? Elle a tué Kafou, oui. Diop. Le frère à son papa. Il n'a pas de nom. Il y a Kafou. Il y a Diop. Il y a Dago. Il y a Koku. Qui? Kosi. Il y a Kwasi. Il y a Yao. Il y a Kwain. Il y a Ngesa. Il y a Komena. Il y a Kwain. Il y a encore un rappel Kwaku Komena, ils sont 10. Celle-là, elle est gros. Au bois, pas là. Il reste 10 encore. Asa. Qui? Asa. Elle a tué Asa. Elle a tué Bamena. Elle a tué Tano. J'en profite pour vous dire en même temps que nous sommes en train de nous organiser. Parce que cette histoire d'huile là, c'est maintenant, là, toutes les commandes viendront d'Abidjan. Voilà, on a su soit cette histoire de Paris, toutes les commandes viendront d'Abidjan. Ceux qui ont besoin de commandes d'huile, vous adressez à la direction ici. Voilà, pour qu'on puisse vraiment vous acheminer. On aura la semaine prochaine, surtout que lundi prochain, on aura l'occasion de vous expliquer comment vous acheminer. Donc cette histoire de Paris, il n'y aura plus de bouteilles en vente à Paris. C'est tout partira d'Abidjan. Allons-y. Elle a tué Bosso. Elle a tué Komena. C'est ça, c'est Bamla. Bamla, oui. C'est pas la bonne. Parle fort, parle fort. Je parle, c'est quoi? Non? Ouais, n'est-ce pas? Les vins ne sont pas au complet. Les vins ne sont pas au complet. Qui t'a tué tout récemment? Voilà, mais t'as mis à l'endra. Mais t'as mis à l'endra. Mais ils sont gars. Non. Dans les deux dernières années. Mais ils sont plus à Londres. Mais avant que je n'arrive, avant que tu aies une cuisine à ce cas. Avant que tu aies une cuisine à ce cas. Tu mangeais pas. Et allez. Oui, gagnez le reste, c'est ça. Nous, nous, ils sont plus à Londres. Avant que tu aies une cuisine à Londres. On a bien allé dans le monde drôle. Bien là, mon drôle. C'est ma tante, c'est la cuisine directe de moi. Bien là, mon drôle. Non, mon drôle. Elle a tué sa maman. La dernière victime, c'est sa mère. Toi, tu quittes là. Alors, bien, on a un monde drôle.
Elle dit c'est son maman, elle a tué. À quelle année? Il y en a un zoomé. Elle dit ça fait 3 ans de ça. Oui, mais elle a attaché qui? La longue bataille là. Non. Ce qui ne dit pas, ça ne prie pas pour toi. Vous avez attaché qui? Qui vous voulez tuer tout récemment? Et lui. Et lui. Et Félix. Je pensais que tu allais parler de ça. Elle dit que ce n'est pas elle qui voulait tuer à lui, qu'elles sont parties manger, et en venant de là-bas, c'est là qu'elle a trouvé lui là-bas, c'est là qu'elle a pris lui pour la mort. Ah, tu mens! Moi, je n'aime pas les mensonges. Pas qu'attacher Félix. Dis à moi, les libérer. Alors, mon grand Louis, les Félix. Depuis là, tu ne parles pas de ça, vous voyez, il regarde. Ou bien C'est pas ça. Depuis quand sorcier vient prendre âme pour dire, tu as attaché, je te défais. Toi, tu peux défaire âme. Toi. Elle dit, c'est vrai que c'est elle qui a attaché lui et puis Félix. Mais pourquoi tu mens? Alors, je vous. Non, maintenant, pourquoi tu mens? Elle dit, elle demande pardon. Pourquoi elle me demande pardon? Donc elle ne voulait pas qu'elle soit délivrée, c'est ça. Parce que si elle était sincère, c'est pas là qu'elle devait commencer. Ah, je suis venu pour libérer. Parce que qui t'a envoyé ici? Alors, donc la première des choses, c'est les gens qui sont attachés là, que tu dois déclarer. Je suis venu, je vais abandonner la sorcellerie, mais vraiment, voici deux personnes qui sont attachées. Je crois à ta sincérité. Toi, tu es venu jouer à nous. Alors, même quand ton nom, il t'a dit là, il y a un grabat. Mais on va bien, quand on va bien. C'est là, tu es là, je suis allé, il est touché, il est défait. Toi, sorcier peut défaire viande. Et il y a un peu de dravion. Et ça, il y a un peu de dravion. Tu mens même. Elle dit, elle va dire la vérité maintenant. Ah, donc tu mentais avant. Ça te fait rien. Pourquoi ça te fait rien? Nous, on fait des sorcières, ça ne fait pas rien. Non. Tu ne vois pas ça comme amusement. Elle dit, c'est vrai que vous allez l'aider pour qu'elle puisse les délivrer. Ah non, tu n'es pas venu pour qu'on les délivre. Alors, donc, on va continuer. Je t'ai râlé depuis là, je l'ai fait renverser. C'est là. Par exemple, tu es venu ici là. Elle t'est renversée. Alors, il y a une vie, puis on t'en va parler. Donc, on canasse, on casse ça. Ça n'a duré, on canasse duré. Toi, d'abord, tu n'es pas sorcier. Maintenant, vous courez. L'année est en train de finir, vous courez maintenant. Elle dit, c'est. C'est quoi, maintenant, vérité, n'a qu'à dire. Alors, Babi, ça, à mes connes. Il y a 4 personnes. Moi, il y a dit le nom de 2. Il y a 2 autres. Ils doivent tuer, ils sont attachés. Ils sont là-bas. Moi, il y a dit 2. Maintenant, les 2 autres, tu as dit les 2 autres là. Je connais ça. Ces 2 autres sont 4. Il y en a une à Djoa là. Elle dit la sœur de Félix, la petite sœur de Félix. Comment elle s'appelle? À Djoa. Elle est où? Alors, il y a quoi là? Elle est dans un village. Comment elle s'appelle? La prison de Félix. Adjoa. Comment tu l'as appris comment? Alors, il y a un diable pour là. Elle est prise pour fêter avec lui, mais comme vous êtes arrivé, c'est là. Elles sont attachées là-bas. Alors, on va battre les deux. Oui, mais elle a dit, mais la dernière personne c'est qui? Alors, bien, elle est courrier. Alors, quoi? C'était 4. Oui, dame. Louis.
Félix. Non, il y en a là. Le petit frère de Félix et puis la petite sœur de Félix. Non, c'est les quatre là avec lui. Elle dit c'est les quatre là, je n'ai pas les quatre là, il n'y a plus. Albert de Sotra là, c'est ton frère? Mais non, il est hein? Elle dit c'est son frère. Pourquoi tu ne parles pas de lui? Alors, il voulait une bonne. Pourquoi tu dis pas son nom? Albert Dadier. Albert, il y en a un nom. Donc, je m'en suis toi. Moi, là, je sais ce que tu as fait comme sorcellerie jusqu'à fatigué. Tu n'as pas dit la vérité. Tu n'as pas dit la vérité. Oh, non, ça, Camille. Tu n'as pas dit la vérité. Oh, non, si. En cas, oh, il y a un clair. Il est là-bas. Oh, le coca de même. Moi, je viens de dire. Tu n'as pas dit la vérité. Oh, si, boubou. Parmi les quatre, il est déjà. C'est lui qui a fait sa vie. Tu connais? Je suis là, je suis là, tu poses des questions, tu demandes. Mais tu sais pas ça. Tu comprends mon français? Non, la vie, elle parle maintenant. Elle dit quoi? Elle dit, les gens lui ont demandé à son frère Albert pour le tuer. Mais elle a vu que c'était pas bon. Donc voilà pourquoi elle est quittée parmi eux. Tu n'as pas pris sa chance pour gâter? Tu n'as pas gâté la vie de Dadier. Donc je m'en suis toi. Tu sais qui je suis? Toi-même là, tu me vois là, tu sais pas qui je suis. Tu sais pas que tu es venu ici, tu sais pas. Ce qui t'a amené ici là, tu sais qui je suis. Tu as gâté quoi dans sa vie? Alors ils ont tombé. Tu as gâté quoi? Alors ils ont tombé là, c'est. Il y a une tâte au mauvais, c'est bon. Albert, il est où? Va. Elle dit, elle est partie en sorcellerie, elle a dit qu'il n'est qu'à quitter. Et puis on l'a enlevé. On l'a enlevé directeur de Sotra. Comment elle a ça? Comme quand j'aime pratiquer la paix. Alors, quand on a un an, nous y a un an là. Elle dit, quand elle se transforme en chauve souris, elle s'en va, elle dit, et non, faites ça, et puis les gens font. Où tu as mis son argent? Alors, Yenzo, on a là. Tu as gâché son argent? On a là, Yenzo, on a là. Elle dit qu'elle avait pris son argent et après elle a ramené son argent, mais elle a pris un peu de temps pour dépenser. C'est le jeu de mon argent. Où tu as mis son argent? Je suis en train de poser une question. Parce que je connais sa fille. Moi, je suis à la Sotra, on travaille là-bas ensemble. Ils ont laissé sa fille. Ça me fait pitié aujourd'hui quand je vois ma sœur. Moi, je te pose la question. Laisse le côté. Voilà. On va chez Albert. Albert. Elle s'est transformée en chauve-souris et puis elle est partie prendre son argent pour dépenser un peu.
Mais Bétain ira en Ambia, on doit la colle une femme, une pied. Un femme, mon grand maman, un femme, moi, le grand maman, quand il m'a été déguisé. Elle a amené d'autres là-bas, puis elle a laissé un peu sur elle. Alors, ça, quand tu n'as rien à dire, il faut partir. Ah, mais vous, non, mais vous, même, il y a de rien. On va dans la cadre, on nous met au bout. Où tu as gardé son argent? Alors, après, je vais dans la yenzo, dans la ra. Une fois dans la vie, à qui dit-on? Elle dit qu'elle a pris son argent pour l'amener dans les lieux d'amusement. Amusement. Dans les lieux de sorcellerie. Oui, pourquoi? C'est à quelle fin? Alors, on a envoyé l'argent. C'est pourquoi? Comment c'est là qu'on est aux amis? Elle dit que c'est la sorcellerie là qui la fatigue. Et pourquoi? Alors, on a envoyé son argent. Alors, il faut boire dans la gueule. Il vous frappe là. Comment c'est là, mais donnez-nous un nommé Noï. Elle dit que c'est la sorcellerie qui la fatigue. Et puis elle ne sait pas si ça te fatigue ou pas. Quand tu as pris son argent, c'était pour quoi? Qui devienne quoi? Oh non, bien, dans la cour, je vous fais d'abord là. Non. Et puis, il y a une vie là. Mais il y a une vie là, mais il y a une vie là. Eh, c'est pas pour la fabrique. C'est ce que je veux dire. Oh, il dit là, en 14 jours. Oui, 14 jours. Tu dis pas là, quelqu'un, tu envoies ça là-bas, c'est pas pour la fabrique. Elle dit, César, c'était pour la fabrique. Mais tu as quel problème? Eh, alors, il y a. C'est moi qui t'envoie ici. Oh, le monde a mon lit, il y a un peu de temps. C'est moi qui t'envoie ici. Hein? Tu ne veux pas parler? Oh là, nous voulons qu'on parle. Tu ne veux pas parler? Je ne veux pas parler. Faut bien expliquer. Elle dit que c'était pour le gâter, pour qu'il devienne misérable. Mais qui est la sorcellerie qui en elle, c'est ça qui la fatigue. Ça te fatigue là? Tu ne pouvais pas nous voir à Zaroko, la lettre en Nivesa? Alors, salut, moi. Il y a Zaroko, on a Wasko, de ça. Mais vous, Galamana. Elle dit ça, comme ça, elle vous suit. Depuis quand tu es venu? Depuis quand tu es venu? Il est maintenant tu viens. Alors, il est venu, moi, pour aller, il est venu, il est venu là. Au salaire là-bas, maintenant, tu es venu, tu es venu, il est venu, il est venu. Elle dit ça, la fatigue pour pouvoir toujours gâter. C'est maintenant, il a pris la décision de venir vous suivre. Non, c'est parce que on a fermé vos cuisines, vos marmites. On a pris à Pirido, ou à toi, bébé, on a ni de haut, ou à toi, mais comme le bouillon. C'est que tu dois, quoi. Depuis, est-ce qu'à Zaroko là vous mangez toujours? Alors Zaroko, allez là. Dis-le, même quand il y a tout le elle dit il y a le feu partout. On ne mange plus là-bas. On ne mange plus. Elle dit un panneau, neuf. Elle dit que tu ne peux même pas, tu peux mourir. Comment ça? Elle dit oui, il y a. Alors ils sont là, ils sont là. Ils sont là. Tu vois, il y a un. Mais bon, vous l'avez dit. Elle dit tout vu là-bas. Il y a un trou. Mais comment est-ce que vous avez fait ça? Il dit la viande se trouve de l'autre côté, mais on ne peut plus mettre la main là-bas. Ah, donc, ceux que vous avez attachés là, ils sont restés là-bas, c'est ça? Bon, également, là, quand même. Elle dit c'est pourquoi elle est derrière vous pour que vous. Oui, ils sont là-bas. Oh là, à moi, ils n'ont pas le temps, ils sont là-bas. Que toi, tu as attaché là? Elle dit oui, ils sont toujours là-bas. Ok, donne le nom des personnes. On n'a pas la main, on y est. Félix. Félix. Viens ici, viens ici. Félix et son frère. Comment tu as attrapé Félix pour l'amener là-bas? Il y a un cracro. Félix n'est pas fort, là. Félix, il y a un cracro. Quand elle se transforme en chauve-souris, c'est là qu'elle va là.